the second session. On va commencer la deuxième séance. As I was telling you all, comme je vous disais à tous, the first layer is physical body. La première couche, c'est le corps physique. Second thing which we need to attend is our breathing. La deuxième chose qu'on doit travailler dessus, c'est la respiration. Please understand. S'il vous plaît, comprenez. Breathing and our desires are very closely related. Notre respiration et nos désirs sont intimement liés. If our desires are straightforward, si nos désirs sont vrais et tout, breathing will be clean and deep. La respiration va être propre et profonde. You can see in your life, whenever you are emotionally imbalanced, your breathing will be fast. Vous pouvez voir dans la vie, quand vous avez un déséquilibre émotionnel, votre respiration s'accélère. When you are caught by anger, si vous êtes attrapé par la colère, or by any other emotions, ou n'importe quelle autre émotion, your breathing will be imbalanced. Votre respiration va être déséquilibrée. If you are calm, si vous êtes calme, if you are relaxed, si vous êtes relaxé, you will have a deep breathing. Vous aurez une respiration profonde. Your breathing cycle will be clean. Le cycle de votre respiration sera propre, clair. The person whose breathing cycle is disturbed, la personne dont le cycle de respiration est dérangé, he dies quickly. Elle va mourir très vite. That is why, c'est pourquoi, in Ayurveda, en Ayurveda, we emphasize an important thing. On se concentre sur une chose très importante. Tuning your breathing. De régler votre respiration. We call that as pranayama. Et ça s'appelle pranayama. Tuning your desires and tuning your breathing. Organisez vos désirs, organisez votre respiration. Both needs to be done in this second level. Tous les deux vont être achevés, vont être réalisés dans ce niveau numéro 2. Your desires are energy. Vos désirs, c'est de l'énergie. If your desires are clean, si vos désirs sont clairs, the energy will flow like a stream. L'énergie va couler comme un petit ruisseau. If the desires are self-contradictory, si les désirs sont contradictoires en eux-mêmes, the flow will be stuck here and there. Le flow va être bloqué ici et là. It will be disturbed. Il sera dérangé. What do I mean by the word self-contradictory? Qu'est-ce que je veux dire par qu'ils se contredisent eux-mêmes? You have two levels of self-contradictory desires. Vous avez deux niveaux de désirs qui se contredisent. First level. Le premier niveau. Two desires contradicting each other. Deux désirs qui se contredisent eux-mêmes. One side, you wanted to have more and more money. D'un côté, vous voulez avoir plus et plus d'argent. Other side, you always wanted to rest in the beach. De l'autre côté, vous voulez toujours vous reposer sur la plage. Two desires are self-contradictory. Deux désirs qui se contredisent. Either you can always lie down in the beach, or you can have more money by working. Ou bien vous pouvez être couché sur la plage, ou bien vous pouvez être en train de gagner de l'argent en travaillant. You can't always lie down and have more money. Vous ne pouvez pas être toujours couché et gagner plus d'argent. Either you have to work for the desire of having more money. Il faut travailler pour le désir d'avoir plus d'argent. Or you have to support the desire of just resting. Ou bien vous avez juste l'idée de vous reposer. If there are two desires self-contradictory, s'il y a deux désirs qui se contredisent, your breathing will be disturbed. Votre respiration sera dérangée. All wheezing, toute la respiration, asthma, tous les problèmes comme l'asthme, all problems related to breathing, tous les problèmes reliés à la respiration, is related to suppression. Sont connectés avec la suppression. It's conflict within yourself. C'est un conflit à l'intérieur de vous-même. Desire and breathing are very closely connected. Les désirs et la respiration sont intimement liés. You can see when you are in anger, quand vous êtes en colère, how your breathing is burning. Comment votre respiration brûle. When you are in lust, quand vous reposez, how your breathing is burning. Votre respiration est dérangée quand vous êtes dans le désir, dans le lustre.
If you are calm. Si vous êtes calme. If you are relaxed. Si vous êtes relaxé. You can see how deep your breathing is. Vous pouvez voir comment profond est votre respiration. The person who has got deep breathing. Une personne qui a une respiration profonde. Will have health and long life. Elle aura la santé et une vie très longue. If you are breathing shallow. Si votre respiration n'est pas profonde. Or like a dog, quick. Ou bien comme un chien, très court. Your lungs will not be filled. Vos poumons ne seront pas remplis. Your body will not be ease. Votre corps ne sera pas à l'aise. The more self-contradicting desires you have, plus vous avez, more you will be fighting with yourself. Plus vous avez des désirs qui se contredisent, et plus vous allez être en lutte avec vous-même. At one point, the desire to have more money will raise and drive you to work. À un point, le désir d'avoir plus d'argent va être plus profondément présent et vous irez travailler. At another point, the desire to rest will arise and it will ask you to rest. À un autre point, le désir de vous reposer va être prévalent et vous allez vous reposer. You will be suffering between these two ends. Vous serez en train de vous souffrir entre ces deux extrêmes. You will be caught between these two desires. Vous serez pris entre ces deux désirs. The more and more self-contradicting desires in you, plus vous avez des désirs qui se contredisent en vous, more and more suppressions you will be creating. Plus et plus vous allez réprimer vos sentiments. This is one level of self-contradiction. Ça c'est un niveau de se contredire. Second, there is a second level. Il y a un deuxième niveau. In one desire itself, the very desire itself will be self-contradicting. Dans un seul désir, dans ce désir lui-même, vous avez des contradictions. Par exemple, if you have a headache si and you wanted to get rid of the headache, vous avez mal à la tête et vous voulez vous débarrasser de ce mal de tête. You have a deep desire. I should get rid of this headache. Vous avez un désir très profond de vous débarrasser de ce mal de tête. You again and again create that word in you. I should get rid of this headache. I should get rid of this headache. De plus en plus, vous dites, je dois me débarrasser de ce mal de tête. Je dois me débarrasser de ce mal de tête. The problem is when you repeat that word again and again. Le problème, c'est que quand vous répétez ces mots encore et encore. Again and again, you repeat the word headache also. De plus en plus, vous répétez ce mot mal à la tête aussi. Whenever you remember, tell inside your mind, I should get rid of this headache. Chaque fois que vous dites en votre esprit, je dois me débarrasser de ce mal de tête. You are giving power to headache also. Vous donnez de la puissance au mal de tête. The more number of times you remember the word headache, the headache will be more and more strong in you. Autant de fois que vous vous rappelez le mot mal de tête, le mal de tête va devenir plus puissant en vous. Anything remembered by you again and again will become strong in your mind. Chaque fois que vous rappelez quelque chose de plus en plus, cette chose devient de plus en plus forte dans votre esprit. If you have this one thought, I should get rid of this headache, I should get rid of this headache. Si vous avez juste cette pensée, je dois me débarrasser de mon mal de tête, je dois me débarrasser de mon mal de tête. You will never be able to get rid of the headache. Vous ne pourrez jamais vous débarrasser du mal de tête. Because every time, you give power to the thought headache also. Parce que chaque fois, en même temps, vous donnez plus de pouvoir au mot mal de tête. Instead of having that kind of thought, au lieu d'avoir ce genre de pensée, you should start thinking, I should become healthy. Il vaut mieux penser, je dois être sain. I should become healthy. Je dois être sain. The words which you think inside your mind, le mot que vous pensez dans votre esprit, plays a major role in your mental structure. Joue un rôle très important dans la structure mentale. The words which you are using inside, les mots que vous utilisez à l'intérieur, are only going to create your whole life. Ils vont créer votre vie entière. So do not think the words which you are using are ordinary. Donc ne pensez pas que les mots que vous utilisez sont ordinaires. Whatever words you are thinking, quels que soient les mots que vous pensez, that is going to create your life. C'est ça qui va créer votre vie. You need to be very clear and aware of the words which you are using. Vous devez être très clair et très conscient des mots que vous utilisez. Especially early morning when you get up from the bed. Spécialement le matin quand vous vous réveillez, sortez du lit. When you are brushing your teeth. Quand vous brossez vos dents. You can see
Your mind will be repeating some words. Vous allez voir qu'il y a un mot que votre esprit est en train automatically. De répéter. Automatiquement. You will not be even able to stop. Vous ne pouvez même pas l'arrêter. You will be taking bath, but your mind will be talking something. Mais là, l'esprit encore est en train de penser cette chose. The words which goes on inside you les without mots, your control. Les mots qui bougent à l'intérieur de votre tête sans votre contrôle. They are called unconscious chattering. Ils sont appelés la conversation inconsciente. They are very powerful. Ils sont très puissants. And they guide your life. Et ils guident votre vie. Be very clear. Soyez très clair. Any word repeated inside your mind. N'importe quel mot répété dans votre esprit. Will become reality in your life. Va devenir une réalité dans votre vie. If you constantly repeat, si vous, I'll become healthy, I'll become healthy, I'll become healthy. You will become healthy. Si vous répétez constamment, je deviens sain, je deviens sain, je deviens sain. Vous allez devenir, vous allez avoir une bonne santé. If you constantly believe, si vous croyez constamment. I am sick, I am sick, I am sick, you will be sick. Je suis malade, je suis malade, je suis malade, vous allez être malade. The more you repeat the word, I am depressed, I am sick, I should get rid, all these words, negative words, the more you will be caught in the negative emotions. Le plus souvent vous répétez les mots, je suis déprimé, je suis malade, ça ne va pas, plus vous répétez les émotions négatives, et plus ça va être part de votre vie. All these self-contradicting words tous ces mots qui se contredisent directly attack your air flow, the prana flow. Attaque directement le flow du prana. You are inhaling and exhaling. Vous inspirez et expirez. Is suppressed. Et vous écrasez. Your full body movement. Tout le mouvement de votre corps. Is suppressed. Est écrasé. By your self-contradicting desires. Par vos désirs qui se contredisent. Please understand, s'il vous the plaît. Body movement and the prana movement, the body movement and the air movement are very closely connected. S'il vous plaît, comprenez que le mouvement du corps et le mouvement de la respiration sont intimement connectés. If you have a deep breathing, si your whole body will be functioning. Si vous respirez profondément, votre corps entier va être heureux. If your breathing is shallow, your whole body will be dull. Si votre respiration n'est pas profonde, votre corps sera triste. Now we need to do two things. Maintenant, nous devons faire deux choses. First, d'abord, going to your unconscious and get all your desires out. On ira au niveau de l'inconscient et amener tous les désirs à l'extérieur. So that we will know them, whether they are ainsi, straightforward desires or self-contradicting desires. Ainsi nous saurons si ce sont des désirs véritables ou si ce sont des désirs qui se contredisent. In future, when you think inside your mind, et dans le futur, quand vous pensez en vous-même, always have straightforward desires. Toujours avoir des désirs vrais, réels. Do not have negative words in your thoughts. Pas de mots négatifs dans vos pensées. Do not have negative words in your thinking. Pas de mots négatifs dans vos pensées, dans votre manière de penser. Do not have thoughts like I should get rid of this disease. N'ayez pas des pensées comme je devrais me débarrasser de cette maladie. Instead, think I should become healthy. Au lieu de ça, il vaut mieux penser je vais devenir sain. Because whatever you think, you give power to that emotion. Parce que quel que soit ce que vous pensez, vous donnez du pouvoir à cette émotion. The more and more you think, I should get rid of depression, I should get rid of depression, I should get rid of depression. You give power to depression also. Le plus vous pensez, je dois me débarrasser de cette dépression, je dois me débarrasser de cette dépression, vous donnez du pouvoir à la dépression. That, then depression will become more powerful. Donc la dépression va devenir plus forte. That is why people who want to get rid of addictions will never be able to get rid. C'est pourquoi les gens qui veulent se débarrasser des mauvaises habitudes n'arrivent jamais. When they say, I should quit smoking, I should stop smoking, they are giving power to smoking also. Quand ils disent, je dois m'arrêter de fumer, ils donnent du pouvoir au fait qu'ils fument. The more you remember that statement, the more you are remembering again and again about smoking. Et plus vous répétez cette déclaration, et plus vous vous rappelez de fumer. Instead of having the word, I should stop smoking, you should start thinking, I should have only good habits.
Au lieu de répéter je dois arrêter de fumer, pensez plutôt je devrais avoir de bonnes habitudes. Don't have the thought I should not have bad habits. Ne pensez pas je dois me débarrasser des mauvaises habitudes. But instead have a thought I should have only good habits. Mais au contraire ayez la pensée je dois avoir de bonnes habitudes. The words which you repeat inside you. Les mots que vous répétez à l'intérieur de vous-même. You should be very careful and cautious about them. Vous devez être très attention à ce que vous dites. Because the power of intention. Parce que le pouvoir de l'intention. Is much more powerful than you understand. Est beaucoup plus puissant que vous pouvez comprendre. The power of intention. Le pouvoir de l'intention. Can do miracles. Peut faire des miracles. It is power of intention. C'est le pouvoir de l'intention. That made me enlightened. Qui m'a fait avoir l'illumination. It is power of intention. C'est le pouvoir de l'intention. Which makes anybody to achieve anything in the world. Qui fait que quelqu'un réalise quoi qu'il veut dans le monde. With the right power of intention. Avec le pouvoir de l'intention précis. Your breathing will be clean. Votre respiration sera claire. Your prana flow will be straight. Le prana va couler à vous directement. Your prana flow will be straightened and deepened. Le flow du prana sera droit et profond. You will receive more energy from the prana, from the air. Vous allez recevoir davantage d'énergie de l'air.